Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalitéuqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la notion de résidence pour une société. La règle d'assujettissement prévoit qu'un impôt sur le revenu doit être payé pour chaque année d'imposition sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada. La notion de personne inclut bien sûr les particuliers, mais aussi les personnes morales, appelées les sociétés dans la loi de l'impôt, ainsi que les fiducies. Le point d'analyse le plus important dans la règle d'assujettissement est la notion de résident au Canada. Donc, il est important de déterminer qu'est-ce que veut dire le législateur lorsqu'il vise les personnes, entre autres les sociétés, résidant au Canada. À cette question, le législateur n'a placé aucune définition de cette expression dans la loi de l'impôt. Donc, lorsque la première source de droit fiscal est muette, il faut aller analyser la deuxième source de droit, à savoir la jurisprudence. Dans le cas qui nous occupe, la notion de résidence a été clairement définie dans la jurisprudence par un jugement de la Cour suprême du Canada. La notion de résidence pour une société peut s'établir de deux façons. Tout d'abord, une société peut être résidente de fait du Canada. La résidence de fait est justement celle qui est issue de la jurisprudence, à savoir un jugement de Cour suprême du Canada qui nous dit essentiellement qu'à la lumière des faits, il est possible de déterminer si une société est résidente du Canada ou non. Ensuite, il est aussi possible de vérifier une autre notion de résidence qui s'appelle la résidence réputée, qui elle est prévue à l'article 250 de la loi de l'impôt. La première notion de résidence à valider est la résidence de fait. Est issue des tribunaux un critère principal à vérifier pour déterminer si une société est résidente de fait du Canada ou non. Il s'agit de déterminer à partir de quel pays se prend les décisions importantes de la société, ou dit en d'autres mots, dans quel pays se situe le contrôle administratif de la société. Permettez-moi de faire un rappel des grandes lignes du fonctionnement d'une société par action, fonctionnement qu'on peut séparer en trois paliers. Le premier palier est constitué des actionnaires. Les actionnaires sont les propriétaires de la société par action. Ils détiennent les titres de propriété dans la société par action. Ils détiennent les actions. Le deuxième palier que l'on retrouve dans le fonctionnement d'une société par action est le palier des administrateurs. Donc, les actionnaires nomment des personnes qui vont les représenter au sein du conseil d'administration et les administrateurs prennent les grandes décisions d'orientation pour la société au nom des actionnaires et rendent compte de ces décisions face aux actionnaires. Finalement, les administrateurs vont nommer des dirigeants afin de prendre des décisions au quotidien pour la société par action. Les administrateurs n'étant pas toujours présents dans la société par action, ils ne peuvent pas être au fait de tout ce qui se passe au quotidien, donc vont nommer des présidents, vice-présidents et autres dirigeants, en somme, ce sont des employés de la société, afin qu'ils puissent mettre en opération les décisions prises au conseil d'administration. Ainsi, si l'on revient sur le critère jurisprudentiel qui détermine la résidence de fait d'une société, à savoir à quel endroit se situe le contrôle administratif, eh bien ce contrôle administratif fait référence aux administrateurs de la société. Donc en mots simples, il suffit de se demander à partir de quel endroit les administrateurs d'une société se rencontrent pour prendre les décisions d'orientation de la société et ainsi va se déterminer la résidence de fait de la société. Il existe une deuxième notion de résidence que l'on appelle la résidence réputée. On retrouve la notion de résidence réputée dans la loi de l'impôt au paragraphe 4 de l'article 250. La résidence réputée s'applique uniquement aux sociétés qui n'ont pas satisfait aux critères de résidence de fait. Donc, pour une société qui n'est pas résidente de fait, c'est donc dire pour laquelle on a jugé que le contrôle administratif n'était pas situé au Canada, il est possible tout de même qu'elle soit considérée comme une société résidente du Canada en vertu de la résidence réputée. Une société est réputée résidente du Canada si elle est constituée en vertu d'une loi corporative au Canada et ce depuis 1965. Encore une fois, permettez-moi de vous faire un rappel sur le fonctionnement ou la constitution d'une société.
Donc, une société étant une personne morale, elle prend naissance dans notre environnement juridique en vertu du respect de certaines règles et procédures prévues dans les lois corporatives. Ainsi, il est possible de constituer une société par action en vertu d'une loi sur les compagnies canadiennes. Et il est aussi possible de mettre au monde une compagnie, de constituer une société en vertu d'une loi similaire que l'on retrouve dans les différentes provinces canadiennes. Ainsi, si une société qui par ailleurs n'est pas une société résidente de fait, mais qui aurait été constituée depuis 1965 en vertu d'une loi corporative canadienne, qu'on appelle dans le jargon une société à charte fédérale, ou constituée en vertu d'une loi provinciale à l'intérieur du Canada, appelée dans le jargon une société de charte provinciale, ainsi cette société serait aussi résidente canadienne en vertu de la notion de résidence réputée. Le tableau qui suit résume l'analyse de la résidence pour une société. Le premier point d'analyse est obligatoirement l'établissement de la résidence de fait. Donc, à la lecture du principal critère issu de la jurisprudence, à savoir de déterminer l'endroit où se situe le contrôle administratif de la société, il est possible de déterminer déjà que la société est peut-être une société résidente du Canada. Dans quel cas, en vertu de la règle d'assujettissement, cette société sera imposable sur l'ensemble de ses revenus de source mondiale. Dans le cas contraire, advenant le cas où une société n'est pas résidente de fait, puisqu'il a été démontré que son contrôle administratif ne se déroulait pas au Canada, dans ce cas et seulement dans ce cas, il est possible d'aller vérifier la notion de résidence réputée. Donc, nous allons vérifier si cette société a été constituée en vertu d'une loi corporative au Canada ou dans l'une des provinces canadiennes, et ce depuis 1965. Si la réponse est oui, la finalité sera la même et cette société sera réputée être une société résidente canadienne et ainsi elle sera imposable sur ses revenus de source mondiale. Dans le cas contraire, cela équivaut à une société qui n'est pas considérée comme une société résidente de fait et qui n'est pas considérée non plus comme une société résidente réputée. Conséquemment, cette société serait considérée comme étant non résidente et ainsi ne serait pas imposable au Canada sur ses revenus mondiaux, mais bien seulement sur ses sources de revenus gagnées au Canada, tel que prévoit l'article d'assujettissement visant les contribuables non résidents. Afin de valider votre compréhension et la démarche d'analyse à effectuer pour établir la résidence d'une société, je vous invite à regarder par vous-même l'exemple de la société Suissex Limitée.